Nous allons voir comment enlever les publicités sur YouTube. Ça fonctionne pour YouTube, mais pour d'autres sites également, Facebook, les résultats d'une recherche dans n'importe quel moteur, etc. C'est un petit peu radical, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est notamment YouTube. On va aller tout simplement à cette adresse https://adblockplus.org/fr. Une fois sur cette adresse, en fonction du navigateur qu'on utilise, on va nous proposer de l'installer directement dans la bonne version. Ici, on est sur Chrome, on nous propose de l'installer sur Chrome. Sur Firefox, on nous propose de l'installer sur Firefox, etc. pour les autres navigateurs. Je ne parlerai pas d'Internet Explorer, ou plutôt juste pour dire qu'avec YouTube, ça ne fonctionne pas. En fait, ça bloque tellement bien que les vidéos sont même plus visibles, ça génère une erreur. Autant se passer d'Internet Explorer, hein, une raison de plus, et d'utiliser un autre navigateur. Donc pour l'installer, c'est tout simple, on clique sur le bouton Installer sur Chrome. On autorise l'ajout de l'extension. On laisse faire pendant quelques secondes. Hop, on a un petit icône qui se rajoute en haut dans notre barre. L'extension a été ajoutée. Ok. Installé avec succès. On va aller voir ce que ça donne. On va sur YouTube. Hop. Alors, je prends une vidéo au pif. Toc, ça démarre instantanément, il n'y a rien. Une autre vidéo. Voilà, tout simplement. Sachant que AdBlock Plus propose aussi quelques autres petites fonctionnalités, à savoir si vous voulez activer le blocage des publicités sur tous les sites, sauf un ou deux. Voilà, on a des options, on peut spécifier une adresse web. Si par exemple vous voulez continuer à voir les publicités sur Facebook, vous pouvez rentrer l'URL de Facebook et ajouter le domaine, comme ça AdBlock filtrera les pubs sur les autres sites, sauf celui de Facebook. Voilà. Si vous avez aussi envie de désactiver AdBlock Plus temporairement pour voir la différence avec ou sans AdBlock Plus, dans le menu en haut, on a les trois petites barres dans plus d'outils, extensions. C'est là que vont être listées toutes les extensions installées sur notre navigateur. On retrouve donc AdBlock Plus. Pour le désactiver, il suffit de décocher la case Activer. Le petit bouton disparaît du menu. Et là, on retrouve notre navigation avec les publicités. Si on veut le réactiver, on recoche la case Activer. Et AdBlock Plus apparaît dans la barre de menu. Et c'est reparti pour le blocage de publicité. Voilà. Donc pour accéder à ces extensions, hein, la barre de menu, plus d'outils, extensions. Sur Firefox, c'est légèrement différent. On a toujours notre barre de menu avec les trois traits et on n'est pas dans des extensions, on est dans des modules. Voilà, mais ça fonctionne exactement pareil. On va pouvoir activer ou désactiver des modules. Voilà pour ce qui est de AdBlock Plus. Amusez-vous bien.